Bonjour Ludovic. Bonjour. Des Rives du Temps, on va parler d'Halloween. L'association Les Rives du Temps organise ici un événement au château de Trévoux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va se passer et quand ? Les Rives du Temps organise au château de Trévoux diverses animations dans les différentes tours du château. Attends. Il y aura des quêtes, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Ouais. Frissons garantis. Pour les enfants de moins de 8 ans, c'est de 17h à 20h. Et pour les adultes, ce sera après 20h30 jusqu'à 22h. Alors, les dates, donc c'est 30 et 31 octobre ? Le samedi 30 et le dimanche 31 ouais. octobre. Ok. Est-ce qu'il faut venir déguisé ou pas forcément ? Non, pas forcément. On n'est pas obligé de venir déguisé. Après, ça rajoute toujours à l'ambiance et c'est toujours beaucoup plus sympathique. En tout cas, bien chaussé et il risque de faire un peu frais. Donc voilà, faut pas hésiter à venir bien habillé. L'idée, comment elle est venue de monter cet événement ? Comment ça s'est fait ? Alors l'idée, ça fait plusieurs années que ça nous trotte dans la tête, qu'on essaye de créer diverses choses dans ce magnifique château. Mmh. Et là, grâce à l'Office du Tourisme et à la mairie, ils nous ont laissé les clés et on a le droit enfin d'animer. D'accord, génial. On invite les parents à se lâcher un peu sur les déguisements des enfants, à faire preuve un peu d'imagination, à demander de l'aide si besoin, parce que tout le monde n'est pas capable de coudre quelque chose. Peut-être les gens pourront aider. Les Rives du Temps, vous êtes partout, fête médiévale, salon des minéraux. Il y a d'autres événements à venir ? Alors, il y a eu un événement hier soir, c'était une soirée théâtre. Ce sera aussi reconduit. Oui. Et après, pour l'instant, on est en train de bosser sur notre grosse fête historique, le spectacle de feu qui aura lieu de l'autre côté de ce mur, où on est déjà en train d'écrire le scénario. Ok. Ce n'est pas que les Rives du Temps qui organisent... Ils sont attenables. Ce n'est pas que les Rives du Temps qui organisent cet événement. Vous êtes en partenariat avec d'autres associations ? Tout à fait. Alors, on a la Tour de Pise qui va nous faire la restauration. Mmh. Ils vont aussi nous faire les maquillages pour enfants et d'autres petites animations. Ok. Et après, on a aussi l'association Terre d'Oréa qui nous suit beaucoup et là, qui vont faire du feu. Avec Olivier, ici présent. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette association ? Donc Terre d'Oréa, c'est une association médiévale qui fait de l'escrime, archerie, danse, un peu comme les Rives du Temps et les Infâmes. Donc on fait toute fête médiévale en partenariat aussi avec les Rives du Temps. Est-ce que vous chassez les oiseaux ? Parce que là, il y a du boulot. Hein. Oui. Ouais. Là, ce sera essentiellement du feu, crachat de feu. Du feu, donc il y aura de la jonglerie de feu, crachat de feu, il y aura de la déambulation de feu aussi. Donc, ouais. Surtout sur plusieurs petits spots qu'on a à disposition. Parfait. Ludovic, on redonne les dates avant de clore le reportage. Alors, samedi 30 et dimanche 31 octobre, à partir de 17h jusqu'à 22h. Venez nombreux, enfants, parents, tout le monde, on attend tout le monde. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir.